Bonjour à tous, alors c'est Monsieur72 pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft Cataclysm. Alors depuis que j'ai fait l'épisode numéro 1, j'ai changé, je me suis abonné à ce jeu là, je me suis acheté toutes les extensions. Alors j'ai eu un problème avec le personnage qu'on a écrit dans l'épisode numéro 1. Alors dans l'épisode numéro 2, nous allons recréer un personnage humain. Alors c'est parti, je me connecte. Alors... Alors, on va créer un humain à la place d'un elfe de la nuit cette fois. Alors, j'ai mon personnage Paladin niveau 29 là, qui est ici, que j'ai qui était niveau 20 quand vous l'avez vu. Donc, je crois qu'il était niveau 6 quand vous l'avez vu. Bon, voilà. Alors, on va créer un nouveau personnage. Alors, avec les extensions, on a eu Chevalier de la Mort, que je ne vous ai pas expliqué, désolé. On commence niveau 55 là-dessus. Et on est le serviteur du roi Lich, du seigneur des ténèbres en fait. Et on doit faire des quêtes pour lui en fait. On doit tuer des mecs et tout. Voilà. Et dans toutes les classes, voilà. Alors Cataclysm, je ne l'ai pas encore acheté. Je vais peut-être me l'acheter peut-être dans 2-3 semaines. Alors nous allons créer un humain. Alors homme, de préférence. Alors on a voleur, prêtre, démoniste, comme bien sûr chevalier de la mort. Alors on va prendre un guerrier, c'est parti pour un guerrier. Alors comme j'ai expliqué, la couleur de peau, on va le mettre blanc quand même. C'est préférant, je préfère blanc. Je ne suis pas raciste. Bon là, coiffure, on va mettre ça comme ça. Ouais, voilà. De préférence des cheveux noirs. Non, pas d'eau, voilà. Alors on va l'appeler YouTube. Voilà, je pense qu'il y a. Hein. Voilà, YouTube, voilà. Alors je vous laisse écouter la petite cinématique des humains. Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn. Les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orfandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Voilà. Alors, cinématique très sympathique. Notre personnage, un guerrier humain. Voilà. Alors, ce jeu-là est consisté de quêtes, que j'ai expliqué dans le premier épisode. Alors, il me dit de tuer 6 ours, 6 loups, comme ça, là, pour la quête. Alors, on va les tuer. On va faire 2-3 quêtes et je vais arrêter après. Parce que j'ai pas duré trop longtemps pour l'épisode, parce que le premier épisode, je crois qu'il a duré peut-être 5-10 minutes. Alors, on va essayer de faire pareil. Alors j'ai juste à les tuer et ça met 1 sur 6. Alors c'est comme dans les elfes de la nuit que j'avais fait, sauf c'était des tigres. Voilà. Alors pour ce jeu là, je me suis abonné hier, c'est 13€ pour un mois. Voilà, après 3 mois je crois que c'est 30€ et un an c'est 100€, un truc comme ça. Et c'est plutôt un jeu de plateforme. Il y aura beaucoup de guerres, trucs comme ça, entre clans, de la Horde et de l'Alliance.
comme dans la cinématique, il l'a dit, la Horde est l'ennemi toujours de l'Alliance. Alors, il y a aussi dans quelques mois une extension nouvelle qui va sortir, Pandaria. On pourra créer un panda, mais ce sera pendant la, ce sera les deux trucs. On pourra choisir la Horde ou l'Alliance, ce sera les mêmes choses. Il y aura une classe en plus, les moines. Si vous voulez voir comment c'est la bêta, alors vous allez sur Anthrax Machine. Il fait une petite vidéo sur Pandaria. Vous verrez le monde qui fait toute l'extension, ça fait beaucoup. Alors voilà. Comment je vous ai partagé, si vous avez, si vous me suivez sur mon Twitter, je vous ai partagé quelques vidéos. Des vidéos de trickshot sur Minecraft. Alors, juste à cliquer sur le lien, normalement vous verrez. Quand c'est moi, j'aime bien, j'aime un petit peu de Minecraft, mais ça dépend. Je ferai peut-être une série de Minecraft. Alors là, ils me disent de tuer des orcs comme ça. Alors, je vais les tuer. Alors, plus vous augmentez de level, plus vous gagnez des sorts. Plus vous augmentez de level, vous avez des équipements meilleurs. Hop là, j'ai la première quête, j'ai gagné des gants qui me donnent de la sagesse, tout comme ça. Alors pour les guerriers, alors il faudra faudrait avoir des équipements de force, d'agilité et d'endurance. Alors force augmente la capacité d'attaque. Après plusieurs trucs comme ça. Après l'endurance, je crois que c'est la vitesse de course. Ouais, c'est ça. Après la vie aussi, je m'en rappelle plus. Ouais, j'ai cru. Attendez, on va essayer de courir parce que là j'ai un petit peu mourir. Non, je vais mourir. Et vite, cours. C'est bon, je suis pas mort. Voilà. Alors, encore 5 à tuer de d'espions du roc roche noire. Après, je vais vous expliquer un petit peu la carte et on va s'arrêter là-dessus. C'est la dernière fois que je vous ai expliqué la carte, je crois. Encore deux. Alors, au début, quand ça n'existait pas World of Warcraft, c'était Warcraft. C'était un petit mode, mais qu'on voyait tout au-dessus des petits personnages de super loin. Il y avait aussi après il y a eu World of Warcraft normal, qu'on pouvait aller jusqu'au niveau 60 avec les classes. Après, il y a eu Burnout Crusade avec qu'on pouvait aller jusqu'au niveau 70. Après, il y a eu Roi Lich qu'on est jusqu'au niveau 81. L'extension Cataclysme jusqu'à 85 et Pandaria, on pourra aller jusqu'au niveau 90 normalement. Il y aura des nouveaux métiers, nouvelles quêtes, voilà, niveau 3 atteint. Alors là, ils nous disent qu'est-ce que c'est le sort qu'on va apprendre là. Voilà tous les sorts en fait. Voilà, niveau 22, 26, là c'est marqué que quand il y a un petit livre, c'est-à-dire on peut l'apprendre. Il faut aller vers son maître. Alors là, on va lui rendre la quête. Il me donne une ceinture. Hop là, je mets clic droit sur sur l'objet pour mettre sur moi. Voilà. Bon, on va vous montrer la carte. Dézoomer. Voilà. Non, dézoomer. Alors ici, Autre Terre est arrivé en Burnout Crusade. En fait, c'est une extension, la première extension. Alors
C'est pour les niveaux 58. Voilà. Alors Azeroth, c'est normal. Alors ici, c'est le roi Lich, où il est. Ici, l'Alliance. Ici, la Horde. L'Alliance est là, la Horde un petit peu là. Au milieu, c'est où il y a le... Il y a les Terres du Feu. Voilà. Où il y a le Cataclysme aussi. Le Royaume de l'Est, alors... Ici est tout le royaume des humains, des nains. Là, c'est marqué contrôlé par la Horde, voilà. Là, je m'en rappelle plus, voilà, plein de trucs comme ça. Là, la Horde, je joue pas trop avec. Alors ici, les elfes de la nuit. Ici, les Drake Knight, qui est dans l'Alliance aussi. Voilà, et ici, bah, c'est le... Voilà, ici là, la couronne de glace, c'est où il y a le donjon du roi Lich. On va se laisser sur ce moment-là, et je vous dis à plus tard pour l'épisode numéro 3. Allez, bye bye!